rapprocher un peu. Bonjour à tous. Alors, une très bonne question qui m'a été posée et à laquelle je vais répondre. Où est-ce qu'on fait des bends? Alors, je vais vous montrer sur une pentatonique où est-ce qu'on les fait. Donc là, je suis en mi. Donc en mi, par exemple, si vous êtes à l'octave, vous avez la note qui était également ici. Bien, cette note, déjà, vous pouvez la lever si vous voulez. Vous voyez ? Et puis vous pouvez monter celle d'après aussi. En fait, l'idée, c'est d'aller chercher une note. Quand vous faites un, quand vous levez une corde, le but, c'est d'aller chercher une note. C'est pas juste de la lever. Parce que sinon, si je lève une corde sans but, ça donne ça, quoi. Vous voyez, là, j'avais pas de but. Je ne savais pas où aller. Mon bend sonne faux. En revanche, si je sais où je vais, par exemple, je fais une phrase, je vais essayer de faire ça. Et ben maintenant je vais faire. Vous avez saisi? Regardez, maintenant je vais faire. Vous voyez? Vous voyez? Je vise. Vous voyez, je ferme les yeux, regardez. Je joue en fermant les yeux. Regardez. Vous voyez là, par exemple là, je peux pas la lever parce que je sais pas où aller. Donc je me concentre. Là, je peux faire. Et là, je savais où j'allais. Donc en fait, le secret des bends, vous devez viser l'endroit où vous voulez vous arrêter. Parce que vous pouvez même carrément faire des trucs comme ça. Vous voyez? Là, je vise, j'essaie de faire le... C'est vachement important de viser aussi la note que vous voulez atteindre. Il faut avoir en tête la note que vous voulez atteindre. C'est ça le secret des bends. Après, physiquement, vous pouvez en faire là. Alors, je crois que cette note-là, c'est le sol. Vous pouvez monter cette note-là, qui va être un mi. Vous pouvez monter le fa dièse, vous pouvez monter le sol, vous pouvez monter le la, vous pouvez monter le si, vous pouvez monter le do. Le ré. Alors quand on monte, par exemple là je suis en mi. Si je monte le ré, c'est génial parce que j'obtiens l'octave.
Donc des fois dans un solo, moi j'aime bien finir un solo là-dessus, par exemple je vais faire... Et puis je peux lever mon poing en l'air comme ça en disant « Ouais !» tu vois. Et en fait pour obtenir cette note-là, il faut aller chercher un ton en dessous de la tonalité qui est ici. Surtout aussi quand vous êtes en l'air, essayez de lui mettre un vibrato. Ça, c'est important de travailler son vibrato aussi. C'est important de travailler son vibrato. Et puis, ce qui est important aussi, c'est quand vous levez une corde, c'est de ne pas la lever. Essayez de simuler un effort physique. Vous voyez ? Par exemple, là, je vais faire un truc en ré. Tiens, je vais changer, je vais faire un truc en ré. Je vais faire un truc en ré. Je lève pas ma note facilement. Je travaille la montée. Vous voyez, je prends mon temps pour la lever. Son temps pour la lever la note et puis faut lui donner du sustain, c'est à vous avec vos doigts de trouver l'endroit pour vraiment lui donner du sustain quoi. Là vous voyez, j'avais ma note. Je vais rejouer en levant la corde. Donc du coup, je savais où j'allais, quoi. Et quand j'ai levé ma note ici, j'ai visé ça. Que ma vidéo vous aura un petit peu aidé. Sinon, physiquement, au niveau de la main, le grip, c'est la main entière hein, qui lève. C'est pas juste des doigts. Là, vous n'avez aucun contrôle si vous faites ça. C'est vraiment la main qui pousse les cordes. Ça. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je voulais vous parler d'un autre truc, mais ça me vient plus là, j'ai oublié. Ah oui, quand on fait les deux notes en même temps. Alors les deux notes en même temps. Alors ça, c'est un peu plus difficile à faire. Les deux notes en même temps, il y en a une qui est immobile et il y en a une qui se lève. Donc le mieux pour vous entraîner, c'est de faire
Après, il y a la main droite aussi, c'est vachement important. Plutôt que de lever une note simplement en faisant... Vous pouvez, c'est vachement dur à faire, ça demande de la pratique, mais vous pouvez faire au lieu de faire. Vous pouvez faire. Vous voyez, hein, de l'espèce de balayer les cordes avant, mais muté évidemment. Le fait de faire ça, vous avez vu comment ça cradousse le jeu? Si je le fais pas, vous voyez, ça sonne comme ça. Enfin, je trouve que ça manque de vie, quoi. Alors que le fait d'ajouter des balayages dans le vide, des ghost notes, des clusters, on appelle ça comme on veut. Moi, j'appelle ça... Je fais des racks entre deux, quoi. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous manque des infos dans ma vidéo, surtout n'hésitez pas à me le dire. Et puis, j'essaierai de répondre. Ciao à tous!